Et bonjour à toutes et à tous, c'est Kamin, donc j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Enoria. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va, pour ma part, ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, nous allons pour ce deuxième épisode, construire un petit peu sur notre biome, hein, car nous sommes sur notre biome. Je l'avais vite fait présenté en live, donc je suis dans un biome à moitié savane. Oula, hop, on va le tuer lui. Voilà, you are dead. Oup là, on va vite fait dormir dans le lit pour faire passer la nuit, parce que la nuit c'est un peu relou. Et donc voilà, nous nous retrouvons sur notre biome. Donc cette saison, je suis installé tout seul pour l'instant. À voir si je m'installe avec quelqu'un ou pas. Je vais juste changer un truc dans les paramètres, je reviens. Je suis toujours là, bien sûr, hein, vous inquiétez pas. On va juste désactiver tous ces trucs-là. Parce que j'avais oublié de les activer. Hop, comme j'ai fait récemment la mise à jour. Et donc, on se retrouve sur le RIMS. Hop, sur notre... dans notre biome. Donc j'ai planté quelques sapins. Et on a quelques sapins. Ce qu'on a de bien, c'est qu'on a une île. On a une île, moi. On a des montagnes, des très jolies montagnes d'ailleurs. Où il y a moyen de faire quelque chose dessus. Une plaine, du coup. Regardez, hop, c'est assez plat. Du coup, je me disais, est-ce que vous avez des idées de construction? Est-ce qu'on fait un château? Est-ce qu'on fait... est-ce qu'on fait un village? Est-ce qu'on fait... Enfin, dites-moi si vous avez des idées. Et alors, par contre, notre très cher biome est très, 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 très riche. Alors, on va commencer par ici. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, on va descendre et vous allez voir ça tout de suite. Si je me trompe pas, oui, ça doit être... Oui, ça doit être bon. On va voir ça. En fait, je sais pas trop. Je vous explique. On a vraiment eu de la chance. Dans le sens où on a... Non, c'est pas là. Je me suis trompé, c'est pas grave. Hop. Donc, on a eu vraiment beaucoup, 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 beaucoup de chance. Car dans mon biome, nous avons 3 spawners très, très proches du spawn. Quand je dis très, très proches, c'est à, je sais pas, ils sont à 50 blocs l'un... Enfin, très, très, très proche du portail, quoi. Disons que vous allez voir ça tout de suite. On a un spawner à squelette, spawner à zombie et spawner à araignée. Donc je vous propose que je vais vous présenter le premier que je connais, celui qui est le plus, enfin celui que je vois que j'ai trouvé le premier, qui est tout simplement le spawner à squelette qu'on verra plus tard pour exploiter. Aïe, aïe, c'est quoi qui me tape? Oh non non non, pas les mini merdes là. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Hop, hop. On va gêner. Hop, donc c'est parti. On descend. Quel petit coup de l'ail. Hop, on descend. Donc voilà, on entend rien que quand on est ici, on entend le spawner à araignée. Mais malheureusement, j'ai pas assez torché. Oh, c'est pas grave. On va essayer de torcher vite fait. Ah, mais non, j'ai pas. C'est pas que j'ai pas. Pas assez torché. Hein. C'est pas que j'ai pas assez, oui, je disais, voilà. Non, non, c'est que il y a quelqu'un qui... Ça va, toi, tranquille? C'est parce qu'il y avait quelqu'un qui a utilisé mon spawner, c'est normal. Hop. Donc, après, est-ce qu'on fait des échelles pour remonter? Ou on fait des escaliers comme ça, là? Mieux, quoi. Et on fait un espèce de bâtiment, genre la tour, l'arche, une tour...
tour signifiant, enfin, je sais pas, un bâtiment, quoi. Ça, c'est à voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Non, on a deux spawners. Je crois qu'ils sont. J'ai un petit peu de coups de lag. Cet épisode-là est un peu buggé au niveau de. J'ai quelques coups de lag. Bon, c'est un petit peu relou. Faut savoir que Eldoria est pour l'instant fermée parce qu'on est en train de. On est en train de procéder à quelques tests. En fait, si vous voulez, on est en train de préparer la version officielle parce que la version que je vous ai présentée, c'était le serveur, mais en bêta. La version officielle devrait pas tarder à sortir. Bah, du coup, là, elle est en arrêt 3, 2-3 jours. Et ça devrait pas tarder à recommencer au niveau de ça. Voilà. Alors oui, alors là, je regardais, c'est ici le spawner. Ah, ça doit être un des deux spawners, je sais pas, je pense que c'est celui squelette. Je ne suis pas sûr, on va voir ça tout de suite. Hop. Voilà, donc un épisode plus découverte de mon biome. Hein. Je crois que ouais, même son titre, ça sera découverte de mon biome. Parce que. Enfin, de notre biome. Et donc oui, donc là, ici c'est le. Ah non, ici c'est le zombie. D'ailleurs, j'ai pas vraiment ramassé le contenu. Bon, tiens, hop, voilà. Un blé, bon, ça on s'en fout. Hop, tac, voilà. Au moins, c'est fait. Ouais, c'est fait, tac. Donc là, on a le spawner à zombies. Il faudrait que je mette des pancartes d'ailleurs. Parce que je connais pas par cœur. Lequel est un zombie, lequel est un squelette. Hein, je sais pas du tout par cœur. Mais bon. Bon, on sait qu'ici c'est celui à zombie, l'autre araignée, et puis le squelette, je sais plus où il est. Je sais qu'il est proche du secteur, mais je sais plus où il est, parce que j'ai pas vraiment marqué les positions des portails. Des portails, ouais. Des chemins qui descendent. Ma connexion, ça va. C'est ma batterie en fait, c'est pour ça que je lag. Ma batterie est assez faible et je crois que le spawner à squelette est de l'autre côté de la rive, il me semble. Peut-être. Je sais plus du tout. Touk. Hop. Hop. Non. Ouais, bah, je sais plus. Franchement, je. Oula, oh, petit coup de lag. Je ne sais plus, je ne sais plus. Ouais, bref, on a trois spawners. Enfin, non, pas environ, on a trois spawners. Le troisième, je ne sais plus vraiment où il est. Je finirai par le retrouver, hein. N'inquiétez pas. Et donc, hop là. Ici, on a le contenu de nos coffres. Voilà, donc, hop. Donc là, j'ai fermé un petit peu de bois. Alors, j'ai beaucoup de bibliothèques parce que j'ai pillé un stronghold, la redstone, charbon, quartz, farmé un petit peu. Pas beaucoup. Niveau minerai, 7 blocs de diamant. Ça passe. 5 blocs et demi de blocs de redstone, c'est pas mal. 8 œils de l'Ender, c'est bien. 4 perles aussi. Charbon, j'en manque pas. Fer, un stack et demi. Pas mal de blocs. Ça, c'est le livre que j'ai récupéré là-bas, là, au Stronghold. Respiration 3, flé au désert, tempête 4, flé 1, recul 2. Efficacité 3, aura de feu 2. Aura de feu 1. Châtiment 4, aura de feu 2. Tranchant 3. Respiration 3. Efficacité 4, protection 2, puissance 4, efficacité 4 et recul 2. Ah bon, certains livres sont pas tip top. Et là, on a l'armure en préparation pour le land. Donc, il y a le solidité 4. Oh là, solidité 4. J'en fais solidité, protection 4, solidité 3. Protection 4, solidité 3. Protection 4, il manque la solidité 3. Et protection 4, solidité 3.
Et le Father Failing 4, il est où d'ailleurs? Ah non, il est... Ouais, bon. Les bottes parfaites sont là. Elles sont inversées. Hop, donc ça, c'est une autre paire de rechange. Et ça, c'est la deuxième paire. Voilà. C'est déjà mieux. Et là, on a une pioche solidité 2 et la fortune 3. Voilà. Donc, aujourd'hui, pas de construction finalement. Parce que, bon, je vous cache pas que j'ai pas trop le temps de tourner des vidéos avec le serveur. Mais vous inquiétez pas. Prochain épisode. Alors, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu dans les commentaires. Un gros pouce bleu pour cette vidéo. À commenter si vous avez des idées de construction, de thèmes de construction médiévale, je sais pas, village, ville souterraine, je sais pas ce que vous voulez. Et on se dit à la prochaine. Merci d'avoir visionné et je vous dis à la prochaine, comme je viens de dire. Allez, ciao 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 les amis, bye. Ah oui, j'avais oublié qu'on a de dire que j'ai une table d'enchant et des mushrooms. Allez, ciao ciao ciao. Là, tu peux te mettre en partage de connexion.